Donc bonjour à tous et bienvenue pour le Skyrim of Fae numéro 238, donc Servant Black. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc justement cette semaine on se retrouve pour avec des modes de... on va pas dire des modes de ouf parce que je les garde pour un épisode prochain. Mais là en fait j'ai trouvé quand même des modes intéressants. Surtout un sur le Steam Workshop, vous allez voir. Donc on va commencer avec la maison. Parce que j'ai essayé de raccourcir la présentation parce qu'elle est grande, mais de toute façon j'ai essayé de faire ça pendant toute la vidéo, j'ai essayé de la raccourcir un max, mais au final elle est quand même longue, mais j'ai quand même réussi à la maintenir en dessous de la barre des 20 minutes, ce qui était ce qui est mon objectif à chaque fois. Donc la maison, bah, elle est à l'ouest de Faiez, à côté de l'endroit qui s'appelle Faldartoz, en anglais, ce qui veut dire les dents de je sais pas quoi, dents de Faldar je crois. Donc voilà, de toute façon vous allez trouver direct, hein. Vous allez juste à l'ouest de Faiez et vous allez tomber dessus. C'est un emblème de grotte, un truc comme ça, je sais plus c'était quoi. Donc vous allez devoir trouver la clé, c'est ça qui est chiant. Donc le mode somme Clinstairs Dovahkiin Lodge, créé par Clinstair 74. Donc la clé se trouve, vous aurez une note devant la porte qui va vous dire d'aller au dock, parce que c'est rajouté par le mode, qui va vous dire d'aller au dock. Vous allez sur le pont, il y a le canoë et en fait bah... c'est un rocher qui est sous l'eau, en fait, qui cache la clé. Vous avez juste à faire E dessus. À savoir que moi, je l'ai pas trouvé direct. Parce que j'ai galéré, je me suis dit qu'il... je pensais qu'il parlait d'un rocher vers le dock. Donc en fait, j'ai cherché pendant 5 minutes avant de la trouver. Et pourtant, j'ai nagé, hein, mais je la trouvais pas. Voilà. Par contre, ce qui est chiant aussi, c'est qu'il y a une clé différente pour le cheval. Customisé que le modeur a fait. D'ailleurs, il a aussi fait deux chiens, vous avez vu, qui s'appellent Sassy et Abby. Et en fait, Sassy, c'est la mère, et Abby, c'est l'enfant, on va dire. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir fait deux chiennes, voilà. Parce que c'est des femelles, les deux. Et donc, pour le cheval customisé, il est bien. Parce qu'il lui a mis une armure, quand même, avec les couleurs de la maison. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, c'est, vous me direz, c'est une maison de base qu'on voit tout le temps dans le jeu. Mais il a voulu la sortir du lot, donc il a fait des textures qui changent. Moi, j'avais déjà vu ces textures-là, c'est-à-dire orange et le orange avec du bleu comme ça. Je l'avais déjà vu dans une maison que j'avais déjà téléchargée il y a longtemps, quand je faisais pas encore de vidéos. J'avais téléchargé une maison qui était un peu similaire. Voilà. Mais celle-là est beaucoup plus grande. Moi, c'était plus petit. Donc voilà, vous avez vu que vous avez beaucoup de salles, armurerie, salle de pour les mages, c'est-à-dire avec hôtel d'enchantement et laboratoire alchimique qu'il a aussi texturisé d'une façon différente, comme vous pouvez le voir ici. Il a mis des textures noires et rouges dessus, c'était pour faire stylé à mon avis. Même l'hôtel d'enchantement, il n'est pas comme d'habitude, hein, vous l'avez vu. Donc après, on a bien sûr un côté forge, on a des toilettes, c'est plutôt pas mal. Des fois ça manque, donc ils sont ici. Et ensuite on a le sous-sol, vous avez vu où il y avait l'armurerie et le côté forge, et ici c'est l'étage. Donc il y a trois étages dans cette maison, il y a le sous-sol, il y a le rez-de-chaussée et l'étage d'au-dessus. Donc ici on est au tout dernier étage, au troisième. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à part trois chambres et un couloir bien décoré, rien à dire. Et ce qui est bien, c'est que dans le couloir et dans les chambres il y a des illustrations qui sont rajoutées. Il y en a même au-dessus du lit, enfin sur le... comment on dit, vous savez, là vous mettez votre tête en fait, bah juste au dessus il y a l'illustration, voilà, vous pouvez le voir ici, ça fait stylé. Voilà, en plus de ceux du mur, franchement rien à dire, maison de qualité avec moi j'aime bien quand il y a des tableaux qui changent et tout, ça donne un style. Et puis en plus il y a trois chambres comme ça, donc c'est assez stylé d'avoir fait ça. Il y a deux chambres avec un lit stylé comme ça, et la troisième en fait bah, c'est juste une chambre avec des lits simples, enfin il y a quand même un lit de place, pardon. Mais c'est pas les mêmes lits, voilà. Donc une chambre avec deux lits de place et deux autres chambres avec un lit de place, ce qui fait au total, si vous savez compter, 3 fois 2, donc ça fait 6, voilà. Donc il y a 6 places plus la chambre d'en bas où il y a 3 lits simples je crois. Donc voilà, vous pouvez accueillir jusqu'à une dizaine de personnes on va dire, pardon, si on compte les enfants aussi. Faut pas les oublier, si vous en avez, bah c'est tant mieux. Donc voilà pour cette maison, je crois que j'ai tout dit.
La clé de l'écurie pour le cheval, je ne l'ai pas trouvée, hein, mais vous avez une note à l'intérieur de la maison qui va vous dire où la chercher. Donc, on passe au mode suivant, vous l'avez sûrement deviné en voyant les espèces d'ovnis qui volent. Ça va être un mode qui va vous rajouter des aliens dans Skyrim. Vous allez vous faire envahir, enfin, plus précisément, ils vont envahir Helgen. Donc le mode somme Alien and UFO Invasion of Helgen. Je sais pas pourquoi il y a un tiret 2, c'est pas grave. Créé par Galaxy Girl. Et on va pas tirer de conclusion hâtive à dire que c'est une femme juste parce que c'est... Il y a le mot girl, on va pas faire, on n'est pas comme ça. Je l'ai trouvé sur le Team Workshop, c'est celui-là que je vous parlais, que j'ai pris sur le workshop parce qu'il est pas sur le Nexus, je l'ai cherché. Parce que je me suis dit c'est plus facile à te prendre sur le Nexus, donc je l'ai cherché mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà, obligé de le prendre sur Steam. C'est pas très grave, ça s'installe plus rapidement. Mais vous avez plus de risques que ça bug justement sur le workshop, c'est pour ça que j'aime pas trop. Je préfère passer par le Nexus d'habitude. Mais là il n'y a pas eu de bug, hein, il a marché comme il faut. Donc ça prouve que c'est de la qualité. Bon, par contre, il a été un peu critiqué par certains dans les commentaires parce qu'il y a des gens qui ont dit que les aliens étaient un peu ridicules vu que c'est des... Il a pris des enfants, hein. C'est pour ça que des fois ça donne des massacres d'enfants quand vous les massacrez. Mais dites-vous que c'est des aliens et ça passera. Une fois que vous les avez tous tués, les enfants aliens et les méga aliens, parce que il y en a trois sortes en fait, il y a les enfants... On va dire les enfants aliens, on va les appeler comme ça, qui sont les aliens normaux, on va dire. Après, vous avez les méga aliens et les méga méga, on va dire, parce qu'il y en a des beaucoup plus grands, vous avez vu au début, qui sont gigantesques, enfin, genre en mode géant, quoi. Et quand vous les avez tous tués, vous pourrez affronter leur leader, qui pourrait fouiller, pourrait prendre son armure, et il a aussi un sort de magie. Parce que ce mode ne se contente pas que de rajouter les aliens, il vous rajoute 4 armes, une armure, qui est celle du leader, et 5 sorts de magie. C'est plutôt stylé hein, d'avoir rajouté tout ça en plus. Là j'ai équipé le dispositif que j'ai trouvé dans l'espèce de rayon, vous savez, qui... Par contre ce qui est chiant c'est que quand vous les battez tous, moi je me suis dit on va pouvoir monter dans le vaisseau mère, qui est, vous savez, l'espèce de grand vaisseau, le plus grand qui est juste au-dessus de la ville, mais non, voilà, le vaisseau mère ne disparaît pas et en plus vous pouvez pas monter dedans, ça fait que vous les tuez tous, c'est fini, mais le vaisseau mère reste en place, mais bon, c'est pas très grave. Et ce qui est stylé aussi, c'est que vous allez pouvoir, même si vous n'êtes pas à Helgen, ça veut dire, par exemple moi j'étais à Blanche Rive et j'ai quand même vu des ovnis qui étaient en train de voler au-dessus de la ville, voilà, donc ça va pas en rajouter que vers Helgen. Si vous êtes à Blanche Rive, vous risquez d'en voir aussi. Par contre si vous êtes à l'autre bout de la map, c'est-à-dire à Fayez, j'ai pas testé, mais je pense pas que vous en verrez. C'est possible, hein. En tout cas, si c'est le cas, le modeur a très bien joué son coup. Voilà. En tout cas, il a bien fait quand même. J'ai bien déliré en le faisant, en tout cas. Parce qu'il m'a saoulé, c'est les vaisseaux hein, qui vous tiraient dessus à chaque fois. Moi, j'avais TGM, pour le God Mode, mais sinon, y a des risques que vous creviez beaucoup de fois, hein, en les affrontant. Donc, on passe au mode de la followeuse. Donc cette semaine c'est une followeuse un peu spéciale parce qu'elle a été adoptée par les Grises Barbes. C'est pour ça qu'elle réside dans leur temple. Donc vous savez tous où il est, pas besoin de vous le dire, il est au Rodgar comme d'hab. Au niveau de son inventaire, elle a une robe de Grises Barbes version féminine on va dire. Elle a aussi 20 potions de soins et 20 potions pour retirer les effets de poison. On pourrait lui taxer, hein, c'est pas interdit. Et au niveau de ses sorts de magie, elle a... sorts d'électricité, des sorts de feu, elle peut invoquer beaucoup de choses. Les trois atronaques du jeu, elle peut les invoquer. Elle peut aussi invoquer un seigneur Dremora et un prêtre dragon. Vous allez le voir dans un instant. Moi, je lui ai enlevé sa robe de grise barbe ensuite parce que j'aime pas les armures de base, on va dire. Enfin, ça faisait un peu clodo, hein, la robe de grise barbe, ça va 5 minutes. Donc, je lui ai donné une armure toujours sur le même thème pour faire un peu grise barbe, mais version pour se battre, on va dire. Qui fait un peu guerre, et je lui ai donné une dague pour qu'elle puisse se défendre et qu'elle ait pas juste ses sorts de magie, même si elle utilisera principalement sa magie, bien évidemment. Et vous pouvez voir qu'elle est efficace parce que, juste pour un seul ennemi, elle a ressuscité un crabe qui était mort, avec son sort de réanimation, et elle a invoqué son seigneur Dremora avec son prêtre dragon, et même un atronaque d'électricité, voilà, qu'elle s'est permis de faire en plus. Bon, ce qui est chiant, c'est que c'est dans la durée, donc au bout d'un moment, ils vont disparaître, mais elle peut le faire à l'infini,
Et je pense pas que ça lui coûte beaucoup de mana vu qu'elle est experte dans ce domaine. Et en plus elle est belle, donc franchement n'hésitez pas à la prendre. Je crois que le modeur est espagnol, hein. J'ai oublié de vous dire le nom d'ailleurs. Donc le mode se nommait Ilara, créé par Atta, j'ai oublié de le dire, hein. Parce que ça défilait tellement vite. Je crois que c'est un espagnol le modeur, donc ils sont doués pour faire des jolies filles, voilà. Donc on passe maintenant au mode suivant, ça va être un mode d'animation. On va encore parler d'animation, j'ai voulu changer et pas vous le faire, mais il était tellement bien que je pouvais pas passer à côté. Donc le mode somme Just New Female Animation Pack, créé par SkyPSX. Alors Just, je suis pas d'accord avec le modeur, parce qu'il a mis Just, mais... ça, pour moi en fait, mettre Just, ça veut juste dire... ça vous rajoute genre 2-3 animations, pas plus. Alors que là, c'est pas Just pour moi. Parce que ça vous rajoute beaucoup d'animations. D'ailleurs, je m'attendais pas à en avoir autant. Je pensais que ça changeait juste les modes d'animation pour tenir votre arc et vos épées. Mais pas du tout, en fait. Ça va faire ça plus d'autres choses. Comme sprinter, par exemple. Sprinter sans les armes, ça va te changer. Comment vous tenez votre arc, ça va te changer aussi. Et puis quand vous tapez avec aussi, ça le change. Ça change votre façon de le faire. Ce qui est plutôt stylé. Quand vous sprintez avec aussi, ça va le changer. Bien entendu, c'est normal. En ce qui concerne l'arc, c'est vraiment complet. Par contre, les autres armes, il y a des trucs qui manquent. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Par exemple, l'épée à une main, ça va pas changer votre façon de la tenir, ce qui est assez chiant. Ça aurait dû le faire, mais moi, ça l'a pas fait, bizarrement. Mais ça a changé ma façon de taper avec, comme vous pouvez le voir. Le perso la manie d'une façon différente. Et par contre, l'épée à deux mains, ça a fonctionné pour moi. Donc vous pouvez voir que comment elle la tient, c'est vraiment stylé maintenant. Franchement, je préfère celui-là comparé au mode d'animation que j'avais avant. Je préfère celui-là. Je crois que je vais le garder, hein, parce que je préfère comment l'épée à deux mains, je sais pas, elle est meilleure. Voilà, elle est stylée, l'animation. Ça concerne aussi les dagues. Quand vous en équipez deux dans chaque main, vous pouvez aussi en équiper une seule, hein, mais ça fera moins de, ça aura moins de charme. Donc voilà, quand vous en équipez deux, c'est vraiment plus stylé. Au niveau de l'animation, hein. Quand vous tapez avec, ça fera les mêmes animations qu'avec les épées à une main, bien entendu. On a vu un ovni là passer, bon c'est pas grave. Et donc les armes à une main, vous pouvez aussi en tenir une dans chaque main et ça va changer l'animation. Moi j'en avais pas pour les quand je tenais une épée dans chaque main, j'avais pas de mode d'animation pour ça. Bah maintenant c'est chose faite avec ce mode. Donc voilà, en plus quand vous les rangez, ça change aussi l'animation. Donc GG au modeur, il a mis Just Animation, mais vous avez vu avec la présentation que pas du tout, ça en rajoute un bon paquet. Hein. J'ai dû en écraser certaines parce que j'avais déjà des animations qui s'en chargeaient, pour certaines. Et je vais les écraser et les remplacer par ceux-là. Et bah, je regrette pas, voilà, je vais pas les désinstaller. En ce qui concerne déjà les modes des épées, je vais les garder. Après le reste, je sais pas. Et pour l'arc aussi, c'était stylé pour l'arc, donc je vais le garder. Donc maintenant on passe au mode des armures. Donc l'armure pour les hommes cette semaine, ça va être un espèce de petit pack, un petit regroupement de 3 armures différentes. Donc le mode somme Elven Death Knight Armors Collection LE, créé par TH Boss Gamer. Il a mis LE pour désigner la version de base de Skyrim, parce que je ne sais pas s'il l'a fait pour la version SE, c'est-à-dire la Special Edition. J'ai pas regardé, mais je crois pas. Parce que sinon, il aura pas mis LE. Mais je crois que si. Ouais, en fait, un mode de cette qualité, ça m'étonnerait qu'il soit pas pour la spéciale édition. Donc je vais dire qu'il existe. Voilà. Parce que généralement, les modeurs, quand ils précisent LE ou SE, ça veut dire qu'ils l'ont fait pour les deux, logiquement. Donc voilà, on va partir du principe qu'elle est pour les deux versions. Ce mode. Et donc au niveau des armures, vous avez vu la première qui faisait un peu penser à Malekith, le méchant de Thor 2. Je crois que c'est dans le 2 hein, qu'il y avait Malekith. Voilà, c'était pas dans Ragnarok, faut pas confondre. Donc là c'est la deuxième armure qui est en version noire, dorée, bleue et rouge. Voilà, 4 couleurs différentes pour celle-là. Moi perso je préfère la dorée. Ouais, la dorée et la noire. Parce que la bleue et rouge ça fait un peu bizarre. Et le troisième ensemble, et le dernier, c'est celui-ci. C'est ma préférée des trois, voilà, avec la deuxième, hein, mais celle-là c'est vraiment ma préférée des trois.
La première est bien aussi, mais un peu moins que les deux autres. Donc dans mon classement, je préfère celle-là, ensuite la deuxième et ensuite la première. Voilà, que je vous ai montré. Il y en a qui auront un classement différent. Par contre, ce qui est chiant avec celle-là, c'est que pas de problème, les finitions sont jolies sur l'armure. Vous savez, avec les petites finitions, les symboles, les petites rosaces qui sont dessinées sur le métal, pas de problème. Les polières, il y a une tête de dragon, pas de souci, c'est joli. Le casque aussi. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'elle est disponible en deux autres coloris, c'est-à-dire noir et doré. Mais que ce qui est chiant, c'est que vous n'allez pas du tout faire la différence avec la couleur de base, qui est l'argenté. Vous n'allez pas du tout faire la diff. Là, par exemple, j'ai équipé la version noire, mais est-ce que vous remarquez quelque chose? Alors oui, quand vous la regardez de dos et à la lumière, on voit l'effet noir, en fait, qui s'est rajouté sur l'armure. Mais c'est vraiment minime, en fait. Il faut vraiment avoir l'œil pour le voir. Et là, c'est la version dorée. Est-ce que vous avez remarqué, encore une fois, quelque chose? Vous me dites. En tout cas, moi, j'ai pas vu de grosse différence quand je la regardais de face. C'est peut-être parce qu'il est pas vers le soleil, je sais pas. En tout cas, je vous conseille d'équiper la version normale. Ça sert à rien d'équiper la noire ou la dorée, même sauf si vous voulez vous donner un style. Je vous conseille d'équiper la dorée, perso, ou de laisser en argenté, parce que mettre la noire, c'est vraiment, ça sert à rien. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'armure pour les femmes. Et je peux vous dire que celle-là, elle est dispo pour la version spéciale édition, parce que je l'ai vue de mes propres yeux, donc cette fois, je peux en être sûr, et je peux vous le dire. Voilà. Donc pour ceux qui ont la spéciale et qui veulent la prendre, pas de souci. Donc le mode somme DX Daughter of the Sea Armor, créé par Deserter X et Dionka33. D'ailleurs, Dionka33, j'ai pris un mode pour relooker mon menu de lui. Je suis pas déçu, il fait des screenshots magnifiques. Et quand il travaille avec Deserter X sur une armure, c'est à chaque fois de la qualité. Il y en a un paquet maintenant. Vous tapez DX sur Skyrim, vous allez voir, vous allez tomber sur un paquet d'armures qu'ils ont fait ensemble. Des fois, c'est Deserter X tout seul, mais des fois, il le fait avec Dionka33. Et à chaque fois qu'ils les font ensemble, bizarrement, c'est à chaque fois les armures de qualité. Voilà. Les meilleures armures sont quand ils sont tous les deux. Après, Deserter X fait aussi du très bon taf tout seul, hein. Mais bon, c'est un petit plus quand il y a quelqu'un avec lui, comme Dionka. Donc voilà. Donc au niveau des éléments, il y a les bottes, bien entendu, les espèces de collants que vous pouvez équiper ou déséquiper si vous choisissez. Vous avez des bagues aussi, pour taper, si vous combattez au poing, ça va faire très mal, hein, avec les bagues. Vous avez aussi un pistolet qui est fourni sur l'armure, mais vous ne pouvez pas tirer avec, bien entendu, c'est décoratif. Il y a un motif de bateau dessus et sur les bottes, ça c'est bien joué. Et au niveau de la cuirasse, bah, c'est une cuirasse de pirate. Voilà, ça fait clairement penser à ça. C'est pour ça que ça s'appelle Daughter of the Sea, la fille de la mer. Ou la fille de l'océan, comme vous voulez. Mais voilà, ça fait très pirate. Et c'est en rapport avec justement l'océan et la mer. Donc, ça respecte le thème de l'armure. Le bandana aussi, je l'ai kiffé. C'est pour ça que je l'ai essayé pendant toute la vidéo. Pendant toute la durée où j'ai joué mon perso. Voilà. Il y a des boucles d'oreilles aussi qui étaient pas mal. Donc, c'est ici que se termine le Scam of Fire numéro 238. N'hésitez pas à me lâcher le petit like ou les abos si pas déjà fait. Et moi je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo de Let's Play et je vous souhaite un bon week-end. Ciao les gens, j'ai plus de voix. Allez, ciao.